irréel. C'est le mot qui semble mieux définir notre situation. On est là, perdu dans l'espace. On ne s'est jamais senti aussi seul. Pourtant, le monde entier compte sur nous pour qu'on fasse de cette mission une réussite. Malgré le silence pesant tout autour de nous, la nuit fut courte et agitée pour les trois astronautes. Neil ne dormit que 3 heures, Buzz 5 et Colin 7. À leur réveil, ils remarquent tout de suite quelque chose. La Terre s'est éloignée. D'ailleurs, en ce moment, nous sommes en train de survoler les Philippines. Enfin, survoler est un bien grand mot. On est tellement loin de notre planète. Pendant que j'observais ce spectacle fascinant, les médecins de Houston ont contacté les trois astronautes pour un bilan complet de santé. Et les ingénieurs en profitent également pour faire le point sur la télémétrie du vaisseau. Car si quelque chose ne marche pas, cela peut signifier la fin de la mission. Mais heureusement, tout est normal. Notre voyage vers la Lune peut donc continuer normalement. Houston commence ensuite son traditionnel résumé de l'actualité du jour. On apprend tout d'abord que la sonde soviétique Luna 15, lancée il y a quelques jours, se serait crachée à la surface de la Lune au lieu de s'y poser comme prévu. Ensuite, le Capcom nous apprend que l'administrateur de la NASA a fait un discours pendant lequel il a annoncé vouloir poser un homme sur Mars d'ici à l'an 2000. Étant donné les immenses progrès que nous avons faits ces dernières années, je ne doute pas qu'on y sera bien avant ça. Enfin, on a eu le droit à une longue description des titres des journaux à propos du lancement de la mission. Et ce qu'on peut dire, c'est qu'Apollo 11 est partout. On nous dit aussi par le micro que tout le monde pense à nous. Mais j'ai personnellement énormément de mal à imaginer tout ça, car à ce moment, on ne s'est jamais senti aussi seul. C'est bien l'une des rares raisons qui m'attriste de rester à jamais sur la Lune. C'est que je ne pourrai jamais voir l'impact de notre mission sur le monde. Neil, lui, le pourra. Et c'est d'ailleurs ce qu'il répondit au centre de contrôle. We cannot wait to see all that. Ce à quoi Houston répondit. Unfortunately, you will not be able to see the launch on your return, but know that was beautiful. Bien qu'ils aient l'air pressés de rentrer chez eux, au fond, je vois bien que l'idée de rester un peu plus longtemps sur notre satellite les tente bien. Pourtant, ils ne disent rien, et continuent leurs activités normales. Quelques dizaines de minutes plus tard, le Capcom nous informe qu'une étape symbolique de la mission est franchie. En effet, on vient de parcourir la moitié de la distance Terre-Lune. Par contre, cela ne signifie pas que l'on arrive bientôt, au contraire. Il nous reste encore quasiment 2 jours de voyage avant notre arrivée, et encore énormément de choses à faire. D'ailleurs, au moment où je dis ça, les astronautes viennent de couper le contrôle thermique passif, la lente rotation sur nous-mêmes qui permet de répartir la chaleur du soleil. Pourquoi faire ça? Eh bien, le Capcom a demandé à l'équipage de réaliser plusieurs expériences sur les étoiles, en utilisant un outil très pratique, le sextant. Or, pour qu'il fonctionne correctement, il faut que le vaisseau soit le plus stable possible pour viser les étoiles, d'où l'arrêt du contrôle thermique. Dehors, l'absence d'atmosphère et la lumière du soleil créent un drôle d'effet. Quand on regarde la Terre ou le soleil, le ciel à côté est d'un noir profond, sans aucune étoile. Mais dès que l'on détourne la tête de ces astres, la splendeur de l'univers se révèle à nous. Les étoiles se mettent à briller de 1000 feux, et ce, pour notre plus grand bonheur, et le bonheur des scientifiques qui vont pouvoir demander à l'équipage de réaliser plein d'expériences. Ils les feront pendant une petite heure, avant d'arrêter, car il faut désormais préparer une nouvelle correction de trajectoire, la Mid-Course Correction, qui consiste en une simple petite poussée de 3 secondes à peine. Et justement, on vient à peine d'entendre Neil annoncer l'allumage du moteur qu'il est déjà éteint. C'est incroyable la précision qu'il faut pour ce genre de manœuvre. Je suis fier que ce soit lui et Buzz qui me pilotent jusqu'à la surface de la Lune. D'ailleurs, la poussée fut si parfaite que la deuxième correction de trajectoire prévue cette journée fut purement et simplement annulée. Quelques minutes plus tard, Collins réactiva le contrôle thermique passif, le vaisseau reprenant ainsi sa lente rotation. D'ailleurs, Collins, peu après avoir fait ça, va regarder la Terre par le hublot et va commencer à longuement la décrire, sous l'oreille attentive de Houston. Et je le comprends, notre planète est vraiment magnifique. Mais Michael doit s'arracher à sa contemplation pour aller manger, tandis que Buzz se met à chanter dans la capsule. Puis, Neil
va commencer à narguer le Capcom en disant que la salade au saumon qu'ils mangent est vraiment délicieuse. Mais bien sûr, pas de saumon pour eux. Ce sont plutôt de petites boîtes lyophilisées qu'il faut réhydrater, et qui n'ont apparemment pas vraiment de goût. Mais en plein repas, une annonce importante tombe. Houston annonce aux astronautes qu'ils ont enfin déterminé une heure précise pour l'alunissage, et qu'il est donc désormais prévu pour dans 73 heures et 26 minutes exactement. Et d'ailleurs, on apprend par la même occasion que l'entrée dans la sphère d'influence de la Lune se fera d'ici 61 heures et 39 minutes. Après avoir fini leur délicieuse salade au saumon donc, Neil, Buzz et Michael auront le droit à quelques petites minutes de temps libre pour qu'ils puissent eux aussi profiter un peu de leur mission. Mais peu de temps après, une étape importante et marquante va être franchie. Pour la première fois, une émission tournée pendant une mission lunaire va être diffusée en direct sur les écrans de millions de terriens. L'équipage commence donc à tourner, et les images sont ensuite retransmises à la station de Goldstone, qui va ensuite les diffuser aux télés du monde entier. Les débuts de la retransmission sont un peu chaotiques, avec beaucoup de neige sur les images. Mais petit à petit, la qualité devient plus qu'acceptable. La retransmission durera quasiment 2 heures, durant lesquelles les astronautes vont faire découvrir leur quotidien pendant la mission. Finalement, ils arrêteront la diffusion, pour encore travailler un peu sur Columbia. Puis, ils mangeront à nouveau, car le temps passe vite, et c'est déjà le soir. Bien que la notion de soir soit très relative ici, vu que le soleil ne se couche jamais. Après avoir souhaité une bonne nuit à Houston, les 3 astronautes partent se coucher pour une durée prévue de 10 heures, car il ne faut surtout pas accumuler de fatigue avant le jour J. Mais comme hier soir, je vois qu'ils passent de longues minutes à scruter l'immensité de l'espace qui s'étend devant les hublots. À quoi pensent-ils à ce moment? Nous ne le saurons sans doute jamais. Quant à moi, il ne me reste désormais plus que 2 jours. 2 jours pour me préparer à la mission pour laquelle j'ai été conçu. Me poser sur la Lune, en emportant 2 de mes 3 nouveaux amis, afin qu'ils puissent rentrer dans l'histoire, comme étant les premiers hommes à marcher sur la surface de notre satellite.